Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau PC gamer d'une valeur de 1400€ en collaboration avec la marque Be Quiet et Zota Gaming. Ce PC, tu vas pouvoir le refaire chez toi car je vais tout t'expliquer et au pire, tu pourras venir me DM sur Instagram pour me poser des questions sur le montage. Donc, il est composé de 3 composants Be Quiet totalement silencieux et performants et de la carte graphique RTX 4060 chez Zota Gaming. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier car on a passé la barre des 3000 abonnés sur YouTube et lors de l'année 2023, on a accumulé plus de 32 000 personnes aimant la tech et le gaming sur TikTok. Et donc, vraiment un énorme merci à vous car c'est grâce à vous que je peux faire ce genre de collaboration. Et donc pour la présentation des deux marques Zota Gaming et Be Quiet, pour commencer, Be Quiet c'est une marque silencieuse et performante. Tu vas pouvoir retrouver des alimentations, des boîtiers, des water cooling. Et la marque Zota Gaming, ça va être surtout pour la partie graphique du PC, donc la carte graphique. Pour la mienne, c'est une RTX 4060 avec le bundle Spider-Man où tu peux la personnaliser, etc. Mais vous pourrez la retrouver directement une 4060 basique puisque la Spider-Man n'est plus trop dans le commerce. Et donc tu vas pouvoir dire au revoir à tes anciennes consoles et acheter ce PC gamer performant. Et avant de poursuivre la vidéo, like et abonne-toi, c'est hyper important pour la chaîne. Et n'hésite pas à activer la cloche. Grâce à ce PC, tu pourras jouer et stream. Tu pourras jouer sur de la 1080p. En tout cas, pour moi, j'ai acheté mon nouvel écran, le Asus TUF Gaming en 24 pouces 270Hz. Avec bien sûr une dalle IPS. Et donc, ça sera parfait pour ce PC, pour jouer par exemple à Fortnite en 270fps ou à Rocket League, Valorant, etc. Bien sûr, ce PC fait tourner tous les jeux, même Cyberpunk. Et en plus, il a beaucoup d'RGB, donc beaucoup plus d'FPS. Non, plus sérieusement, ce PC est magnifique, silencieux et performant. Donc, quoi de mieux pour commencer cette vidéo. Et donc pour commencer, le boîtier, c'est le Shadowbase 800 FX de chez Be Quiet. Il est disponible aussi en blanc et donc il est équipé de 4 ventilos Lightwings de 140mm PWM et donc ça va permettre un flux d'air important et un fonctionnement totalement silencieux. Vous l'écoutez derrière moi, il n'y a rien du tout qui sort comme bruit, je vous ferai écouter plus proche tout à l'heure. Franchement, ce boîtier est parfait pour monter votre PC puisqu'il y a beaucoup de place, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment grand. Et donc ça laisse de la place pour même les plus grosses cartes graphiques et les cartes mères EATX. Et en plus, il est esthétique. Le panneau latéral est en vert trempé pour une superbe vue. Et donc dans l'ensemble, avec un bon cable management, votre PC sera vraiment beau. Sa grande taille va vous permettre de monter votre PC facilement. Et franchement, moi j'ai eu aucun problème pour ça. Il a un éclairage ARGB, donc c'est parfait pour le côté esthétique. Vous pouvez également le désactiver. Donc en blanc. Et en d'autres couleurs. Et pour chaque couleur, vous avez plusieurs modes. Comme celui-ci par exemple. Et donc vous avez vraiment plusieurs modes de couleurs, comme celui-ci par exemple où ça change totalement, et au moins ça change du RGB ou de la couleur unique. Celui-là j'aime bien également car ça change de couleur à chaque fois, ça passe du bleu au rouge, au orange, etc. Bien sûr tu retrouveras le lien des composants dans la description. Pour la carte mère j'ai choisi de mettre la B550X Gaming Plus version 2 de chez Gigabyte. Pour l'installation ça a été le plus facile, vous mettez directement le processeur, donc moi j'ai choisi le AMD Ryzen 7 5700X, et vous avez juste à le fixer sur la carte mère et ensuite retirer le loquet. J'ai choisi ce processeur car ça va parfaitement avec la RTX 4060. Et bien sûr, tu retrouveras tous les tests sur les jeux à la fin de la vidéo. J'ai testé sur Fortnite, Rocket League, Valorant et Fall Guys. Mais bien sûr, tu pourras aller voir d'autres vidéos pour voir les autres tests avec cette composition. Et ensuite, pour les barrettes de RAM, j'ai choisi les Corsair Vengeance RGB Pro pour que ça ait un côté esthétique dans le PC. Il y a une belle vitre sur le Shadowbase 800FX. Et donc, pour les installer, c'est vraiment simple. Il y a juste à retirer les deux petits loquets sur le côté, bien appuyer jusqu'à quand les loquets se remettent et fixe les RAM. Pour les barrettes de RAM, j'ai pris 2x16Go, donc 32Go en tout, en DDR4. Et ça fera amplement l'affaire pour le PC gamer. Ensuite, pour le SSD, j'ai pris un Crucial P3+. J'en ai profité avec le Black Friday d'en prendre un à 2Tera. C'était vraiment pas cher. Et donc au moins, ça fait totalement l'affaire pour le stockage. Et je peux installer n'importe quel jeu, faire du montage dessus, etc. Pour les gens qui veulent live, justement, avec ce PC, tu pourras jouer et live en même temps sur Twitch, TikTok ou YouTube. L'étape la plus importante pour moi, c'est le branchement des câbles de la carte mère. Et si tu peux voir en bas, il y a tous les câbles. Et faut vraiment pas se tromper sur ça, parce que sinon, le PC fonctionne pas, tout simplement. Et c'est très simple, Be Quiet ont fait des vidéos sur YouTube où tu peux suivre les différents branchements du boîtier, mais également de l'alimentation et du water cooling. Mais donc franchement, en regardant des vidéos YouTube, même d'autres YouTubeurs, c'est vraiment simple. Ensuite, une fois que vous avez fixé la carte mère directement au boîtier, vous pourrez monter le water cooling. Et pour le refroidissement avec la marque Be Quiet, on a choisi de mettre le Pure Loop 2FX. Et donc il y a 3 ventilos qui permettent de refroidir le PC avec le water cooling qui vient directement refroidir le processeur. Et donc ce qui est bien, c'est que le boîtier est volumineux. Et donc ça laisse amplement la place pour mettre le water cooling, notamment au-dessus où tu pourras les accrocher directement. Pareil, le montage du water cooling est très simple avec les vidéos Be Quiet et d'autres youtubeurs. Donc avec le RGB, je trouve que ça rend parfaitement bien. Et donc grâce au water cooling, le processeur ne chauffe pas du tout. Il a des performances vraiment élevées pour tous les processeurs grand public et notamment des 3 ventilateurs PWM High Speed de 120mm. Ça permet de garantir une pression statique élevée
Il y a également une pompe PWM déportée et doublement isolée. Et donc pour le boîtier, sa conception en mèche vous permet un flux d'air fluide. On sent vraiment bien l'air sortir et re-entrer. Pour le boîtier, tu pourras le retrouver aux alentours des 200€. Et donc à l'arrière du boîtier, tu retrouveras un hub qui permettra de tout réunir et donc de réunir tout ton RGB au niveau du boîtier et du water cooling. Il a une finition vraiment belle en aluminium et un superbe éclairage ARGB. Et donc ce qui est cool avec BeQuiet, c'est qu'ils ont pensé à tout. Ils mettent directement le liquide de refroidissement dedans et ils mettent également un liquide de rechargement pour garantir la longévité. Et donc c'est vraiment cool de leur part. Bien sûr, tous les produits BeQuiet sont garantis constructeurs. On passe maintenant à l'alimentation. La PurePower 12M 850W est conforme à la norme ATX 3.0 et compatible avec les cartes graphiques PCLE 5.0. Elle est certifiée Gold et donc c'est très très bien pour une alimentation de ce prix. Et pour le water cooling et l'alimentation, tu pourras les retrouver aux alentours de 150€. Donc pour des composants silencieux et performants, c'est vraiment pas cher. Et donc t'en auras pour 500€ environ. Les câbles de l'alimentation sont de bonne qualité. Tout est bien indiqué dessus, sur l'alimentation et sur les câbles. Et ça permet de t'y retrouver et de pas te tromper au niveau du branchement. Il est composé d'un ventilateur 120mm ultra silencieux signé BeQuiet et il a une très bonne stabilité et régulation des tensions grâce à la technologie LLC. Pour revenir sur sa certification 80+ Gold, il a un très haut rendement énergétique. La PurePower 12M 850W est certifiée plus Gold et affiche un rendement électrique exceptionnel, atteignant 93,2%. Cela va vous permettre une faible consommation énergétique, des coûts réduits, un système mieux refroidi et un système plus silencieux surtout signé BeQuiet. Ces composants sont parfaits pour du silencieux et du performant. C'est de la très bonne qualité et de la technologie haut de gamme. Pour la partie graphique, la carte graphique, je vous la conseille vraiment chez Otak Gaming. Personnellement, ils m'ont envoyé la 4060 avec le bundle Spider-Man, mais il n'est plus trop disponible dans le commerce. Alors tu pourras retrouver la 4060 directement sur leur site. Il y a toutes les cartes graphiques signées Nvidia, allant jusqu'à la 4090. Tu pourras retrouver des cartes graphiques performantes et surtout durables dans le temps. Et pareil, pour le branchement, ça a été assez simple. Il n'y a qu'un seul câble à brancher de l'alimentation, le PCLE. Donc pour ma part, j'ai reçu le bundle de Spider-Man et donc ça permet de tout simplement personnaliser sa carte graphique avec des étiquettes, des autocollants, etc. Et bien sûr la petite figurine pop qui donne avec. La Zotac Gaming GeForce RTX 4060 8Go est une carte graphique compacte et performante, dotée de l'architecture Nvidia Ada Lovelace et de tous les avantages qui en découlent, tels que le DLSS3 et le ray tracing de 3ème génération avec une taille réduite de 2 emplacements. C'est un excellent choix pour les jeux d'FPS et de performance, mais aussi pour de la bonne 1080p. Son connecteur d'alimentation PCLE8 se branchera directement avec le câble d'alimentation de chez BeQuiet et il a une plaque arrière en métal et un arrêt du ventilateur de gel. La carte graphique, pour moi, je vais l'utiliser sur un écran 270Hz pour jouer en 270fps en 1080p sur mon nouvel écran. Donc les jeux auxquels je joue principalement comme Fortnite, Valorant, Rocket League, plus de 270fps notamment en mode performance. Et donc cette carte graphique avec ce processeur sont parfaits pour les jeux de compétition et les streams. Encore merci à la marque BeQuiet et à la marque Zotac Gaming de m'avoir fait confiance pour cette collaboration. Et j'espère que plusieurs d'entre vous vont acheter ce PC et vous le construire vous-même car vraiment il est très performant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, poste ton meilleur pouce bleu et abonne-toi. N'hésite pas à venir sur TikTok, je fais des présentations d'objets tech et gaming en format plus court. Si tu n'as pas vu la présentation des composants BeQuiet et Zotac Gaming, je te laisse aller voir directement en short YouTube ou sur TikTok. L'objectif pour 2024 c'est d'avoir les 5000 abonnés à la fin de l'année et d'avoir les 40 000 sur TikTok. J'espère que tu suivras, alors rejoins-nous. Et encore merci à BeQuiet et Zotac Gaming. Tous les liens sont en description. Ciao.